bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle séance. Et je vais essayer de vous présenter maintenant une séance un tout petit peu plus dynamique par rapport à la précédente. On va essayer de réveiller un petit peu le corps. On va essayer de réveiller un petit peu aussi le système circulatoire, respiratoire. Donc on va commencer par une petite marche, si vous le voulez bien. On va commencer par marcher sur place. Donc on commence par une marche sur le tapis ou sur le sol. Et on balance les bras. Voilà. Et nous marchons. Et nous marchons. Voilà. Alors nous déplaçons tranquillement les bras d'avant en arrière. Et nous serrons le ventre. Et il faut serrer le ventre. Alors le ventre serré, les pieds décollés du sol. Et il faut lever les genoux. Voilà. Une petite marche sur place. Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Allez, une petite marche. Et on va la dynamiser, cette petite marche. On va balancer les bras d'avant en arrière. Maintenant, on plie légèrement les coudes. Et en serrant les poings, on balance les bras d'avant en arrière et on lève un petit peu les genoux. Allez, et on entame notre marche un peu plus dynamique. Allez, on réveille le corps. Allez, on effectue cette marche, on inspire, on expire. Allez, respirez, soufflez, bougez, balancez les bras d'avant en arrière. Voilà, parfait, c'est très très bien. Et on va effectuer maintenant une marche que l'on appelle la marche de l'horloge. Pour cela, je vais vous demander d'avancer le pied droit et de le ramener à côté de l'autre pied. Donc, vous allez suivre, moi je vais avancer le pied gauche, mais c'est votre pied droit puisque vous êtes en face de moi. Et là, j'avance, pied droit, et je reviens. Et j'effectue ma marche toujours en bougeant les bras. Allez, et on effectue une marche de l'horloge vers midi. Le pied en avant. Allez, pied droit devant, pied droit en avant. On revient. Voilà, c'est une marche dynamique. Allez, on souffle, on revient. On souffle, on revient. Allez, pied droit toujours. Allez, il en reste encore deux. Allez, et on va porter le pied droit maintenant sur 10 heures, sur le côté. Allez, on va sur le côté. Voilà, allez, légèrement sur le côté. Pour vous, c'est 2 heures. Allez, voilà, 2 heures. Par rapport à l'horloge, on va pied droit sur 2 heures. Voilà, allez, on le fait encore 2 fois. Voilà, et toujours cette petite marche. Allez, et maintenant on va sur 3 heures si vous voulez. Et on revient. 3 heures, et je reviens. 3 heures, on revient. On déplace le pied sur le côté, on le ramène. Allez, 3 heures, on revient. 3 heures, on revient. Allez, encore 4. Voilà. Allez, 3, 2, 1. Et attention, on va vers 4 heures. Allez. Pour moi, c'est 4 heures, mais pour vous, c'est 8 heures. Voilà. En arrière. On ramène. En arrière. On ramène. Voilà. Pour vous, c'est 8 heures sur une horloge. On balance toujours les bras. On maintient le mouvement au niveau des bras, au niveau des épaules. Et on n'oublie pas de respirer. Allez. Toujours sur 8 heures, le pied en arrière, on ramène. Allez, encore deux. Voilà. Allez, le dernier. Allez. Et on reste sur place. On balance les bras tranquillement. On souffle quelques instants. Et on va travailler tranquillement sur le pied gauche pour vous. Moi, je pars du pied droit, vous, sur le pied gauche. Allez, à nouveau, les bras pliés. Et on avance à midi. Allez, on revient. Midi. On revient. Allez, c'est une marche dynamique. Allez, voilà. Avancez, revenez. Avancez, revenez. Voilà, toujours vers midi. Allez, on avance. N'oubliez pas de souffler. Serrez le ventre. Allez, encore deux. On revient. Midi, on revient. Allez, on va sur 10 heures pour vous. Moi, c'est 2 heures. Et pour vous, c'est 10 heures. Allez, avancez le pied gauche pour vous. Pied gauche en avant. Et on revient. Pied gauche en avant sur le côté. On revient. Allez, pied gauche, on revient. Pied gauche, on revient. Allez, pied gauche, on revient. Pied gauche en avant, on revient toujours vers 10 heures. Allez, encore. Parfait. Attention, on va aller à 3 heures pour moi et pour vous, c'est 9 heures. Allez, on continue à balancer les bras. Allez, 3 heures, on revient. 3 heures, on revient. 3 heures, on continue cette marche dynamique. Toujours les bras en avant et en arrière. N'oubliez pas de serrer le ventre. Allez, à droite, on revient. À droite pour moi, à gauche pour vous. Allez, encore deux. Voilà. Et attention, on va en arrière légèrement et on revient. Allez, pour vous, c'est 8 heures. Pour moi, c'est 4 heures. Allez, un pas en arrière et on revient. Un pas en arrière et on revient.
Allez, et on continue notre marche dynamique. Hein. Allez, respirez bien, soufflez bien, balancez toujours les bras, et on revient. Allez, 8 heures pour vous, 4 heures pour moi, allez, encore. Allez, soufflez bien. Revenez, encore deux, voilà, et allez, et on revient tranquillement, et on marche à nouveau sur place. Allez, soufflez bien. Inspirez, soufflez, et tout en marchant, on va inspirer, on va oxygéner le corps. Donc, tout en marchant, on lève les bras au-dessus de la tête, on inspire et on expire. Voilà, faites des grandes boucles. Alors, inspirez, et ensuite, expirez tout en marchant, continuez à bouger les jambes. Allez, inspirez, et expirez. Inspirez, et expirez. Parfait, encore deux fois, inspirez. Expirez tout en marchant. Allez, oxygénez bien. Inspire et expire. Parfait. Et on marche. Marchez tranquillement. Et maintenant, on va enchaîner avec une marche en faisant des V. On va faire des V steps. Alors, on va dessiner un V sur le sol tout en marchant. On va partir sur le pied droit. Moi, je vais partir sur le pied gauche. Et vous ouvrez le deuxième et vous revenez. Alors, je répète, on ouvre le deuxième, on revient. D'accord ? Allez, c'est parti, on est parti. Allez, on y va. On part en V-step. Allez, c'est parti. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. Allez, on dessine un V sur le sol et on continue à balancer les bras. Si vous pouvez, continuez à balancer les bras. Allez, activez le haut du corps également, serrez le ventre. Allez, on effectue une marche en faisant un V. On dessine un V. Allez, dessinez un V tranquillement. Allez, on y va. Allez, et on continue. Ce V-step, on dessine un V sur le sol. Voilà, parfait. Allez, un V sur le sol. Voilà, super. Voilà, balancez encore les bras. Bien, allez. Là, c'est très très bien. Maintenant, on va continuer à effectuer un V, mais on va changer de pied. On va partir sur l'autre pied. Maintenant, je fais des V en partant de l'autre pied. Voilà, maintenant j'ai changé de pied, je continue mes V. Voilà, je continue à balancer les bras. Allez, voilà, un tout petit effort. Voilà, c'est une marche dynamique aujourd'hui pour s'échauffer. Une petite marche de 10 minutes, un quart d'heure. Allez. Ouvrez, refermez. Ouvrez, refermez, tranquillement. Faites ça à votre rythme. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de souffler, vous ralentissez. Voilà. Allez, on ouvre. On ouvre et on referme tranquillement. On a tout notre temps, on marche. On marche tranquillement. Une marche en V, les bras qui balancent. Allez, on va aller maintenant dynamiser un petit peu le haut du corps. On va repartir tout doucement. Maintenant, on va repartir de l'autre pied. Et là, on va ouvrir un bras et refermer tranquillement. On va partir du même pied. Donc, sur le pied droit, j'ouvre, je referme, pied droit, j'ouvre, je reviens et je referme. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et là, on enchaîne. Ouverture de bras. En même temps que on avance les jambes, on avance les bras et on écarte. Voilà, et on ramène. Ouverture, ouverture, fermeture, fermeture. Allez, on continue. Notre petite marche. Voilà. Alors, ouvrez. Pensez à inspirer, pensez à souffler. Hein. Voilà. Allez, ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Voilà, c'est parfait. C'est une petite marche dynamique. On active le haut du corps, les épaules, les bras. Allez, encore un tout petit effort. Maintenant, on va changer de pied. Si vous le voulez bien, on part sur l'autre pied. Et on continue à ouvrir. Pied gauche. Pied gauche pour vous, pied droit pour moi. Et on continue. Voilà. Allez. Et on fait une petite série. Voilà. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Voilà. Et on revient tranquillement. Allez. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Et toujours sans accélérer. On dynamise le haut du corps. On serre le ventre. Surtout faites attention au dos. Allez. Serrez bien ce ventre. Voilà. 30% de contraction. On ouvre, on referme. Voilà. Allez, le haut du corps commence à chauffer, les épaules commencent à tirer, c'est normal. Allez, on enchaîne, encore un tout petit effort. Bien, super. Allez, maintenant, on va marcher quelques instants sur place. On va essayer de faire le même mouvement. Mais pour faire ce mouvement-là, cette fois-ci, on va partir en faisant un V, mais en arrière. Et pour effectuer ce V en arrière, il faut rester sur place. Et on ouvre le pied droit, pied gauche, pied droit, et on revient. Regardez bien, j'ouvre et je referme. Donc j'amène le pied en arrière, je le ramène. Voilà, les deux pieds partent en arrière en les écartant et je resserre. Alors, faites-le tranquillement. Ouvrez, revenez. Ouvrez, revenez. Alors, en faisant ce mouvement sur le pied droit, on va ouvrir en même temps les bras, mais sur l'arrière. Sans regarder, j'ouvre, je referme. J'ouvre,
Je referme. Ouvrez pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Allez, on ouvre et on referme. N'oubliez pas de revenir à la position initiale. Allez, on continue. Voilà. Allez, on fait une petite série. Ouverture, ouvrez bien la cage thoracique. Serrez bien le ventre. Allez, sans accélérer. Allez, encore. Voilà. Allez, on ouvre. C'est une marche dynamique. On continue encore un petit peu. Voilà. Ouvrez bien, refermez. Ouvrez, ouvrez, refermez. Parfait. C'est une marche assez dynamique qui va réveiller tout le corps. Alors pensez à inspirer, pensez à souffler. Allez, on en fait encore deux sur le pied droit. Voilà. Et on fait le dernier. Maintenant, on passe sur le pied gauche. Allez, pied gauche et on enchaîne. On fait toujours des ouvertures arrière en ouvrant la cage thoracique. Allez, ouvrez, ouvrez, refermez, refermez, ouvrez, ouvrez, refermez, refermez. Allez, serrez aussi ses abdominaux, son ventre. On maintient le buste bien ouvert. Allez, inspirez, refermez, ouvrez, refermez. Voilà, c'est un mouvement simple. Toujours pied gauche. Là, c'est ouverture, pied gauche pour vous. Voilà, pied gauche, voilà, et un pied gauche, pied droit, bien, c'est bien refait. Maintenant que le haut du corps commence à chauffer, on va passer à d'autres mouvements et on relâche. Allez, relâchez tranquillement, balancez tranquillement les bras d'avant en arrière. Allez, on continue notre marche. Allez, on respire, on expire, on continue à marcher tranquillement sur place. Alors attention, maintenant notre marche, elle est un tout petit peu différente parce que vous allez avancer le talon en avant. Alors on avance un talon et on essaie de balancer le bras opposé sur l'avant. Voilà. Et on avance tranquillement un talon devant. Je balance. Voilà. Allez, voilà. On récupère un petit peu. On récupère quelques instants. On va accélérer à nouveau. Alors, toujours un pied devant et le bras opposé si vous y parvenez. Voilà. Serrez toujours le ventre et on balance. On balance. Voilà, c'est super. Très, très bien. Continuez à balancer les bras. Voilà, en avant. On va essayer d'enchaîner maintenant sur l'arrière. Vous décalez tout doucement le pied en arrière. Et là, naturellement, les bras vont se positionner. Donc, étirez toujours un bras devant, un bras derrière. Et vous laissez faire un pied sur l'arrière, sur la pointe des pieds, pour étirer, pour échauffer maintenant un petit peu le dos. On échauffe le dos, un petit peu les fessiers. Allez, on continue notre échauffement avec cette marche assez dynamique pour aujourd'hui. Voilà. C'est une marche relativement dynamique qui va permettre de réchauffer tout le corps. Voilà. Allez, étirez bien sur l'arrière, pointe de pied en arrière. Voilà, levez les bras de plus en plus haut si vous pouvez. Voilà, parfait. Ah ben, c'est super, c'est très très bien. Et maintenant, on repart avec un tout petit peu plus d'intensité. Voilà, et on relâche, et on revient sur l'avant. On va poser les talons sur l'avant, tranquillement. Et là, je vais vous demander simplement de pousser les bras sur l'avant. Alors, avec un peu plus d'intensité, on amène les talons devant et on pousse les paumes de main comme si on poussait un mur. Voilà, tranquillement, poussez les bras devant vous et soufflez. Allez, soufflez, soufflez. Voilà, super. Allez, le corps commence à chauffer, c'est normal. Allez, on échauffe, on continue à échauffer, mais tout en douceur, en respectant son rythme cardiaque. On ne travaille pas en soufflant trop fort. Voilà, on expire et on inspire. Parfait. On va continuer à bouger ses bras. Voilà, en avant, en arrière. Et là, on va lever les bras au-dessus de la tête en poussant sur la pointe des pieds derrière. Je lève les bras au-dessus de la tête. Attention, vous risquez d'avoir un petit peu mal aux épaules, mais insistez un tout petit peu, étirez ses bras vers le haut. Voilà. Allez, on étire les bras vers le haut et on souffle. Allez, poussez sur la pointe de pied derrière vous. Poussez la pointe de pied derrière. Allez, on lève les bras, on serre le ventre. Allez, on soulève et on soulève et on souffle et on souffle. Parfait, encore un tout petit effort. Allez, un tout petit effort. Voilà, le corps est bien chaud maintenant. Allez, on s'étire. Allez, on s'étire. Parfait. Et on va relâcher tranquillement et on marche pour souffler. Alors, pour récupérer, simplement ouvrez les bras en marchant et expirez, relâchez les bras. Remontez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Et vous relâchez, vous expirez. Allez, on inspire et on expire.
Inspirez et expirez. Parfait. Allez, on le fait encore. On inspire, on croise les bras tranquillement et on souffle. Allez, on inspire et on expire. On prend tout son temps. Allez, inspirez. Faites une boucle en serrant le ventre et on relâche. Allez, inspirez. Échauffez bien le haut du corps. Continuez à marcher, c'est toujours une marche, c'est toujours la suite de notre marche. Et on continue, on inspire et on expire. Parfait. Et on va terminer cette marche dynamique en faisant maintenant des step touch. Alors des step touch, ce sont des pas touchés. Donc on va se déplacer une fois à droite, une fois à gauche. Donc je vais me déplacer pour venir toucher à droite, toucher à gauche. Et c'est des pas touchés en me déplaçant de droite à gauche, simplement. Voilà, c'est super. Allez, on essaie. Allez, on continue notre marche. Cette fois-ci, en effectuant des petits pas de chaque côté. Voilà, c'est des petits pas de chaque côté. Et là, je vais vous demander tout simplement de faire travailler à nouveau un petit peu vos épaules, un petit peu les bras en faisant des boucles. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Ici, je me déplace, je fais une boucle et je me déplace et je fais des boucles avec mes bras en tirant les bras vers l'arrière. Lentement, chacune et chacun à votre tour, faites de grandes ouvertures, pensez à serrer le ventre. Allez, on se déplace à droite, on se déplace à gauche et on fait de grandes ouvertures au niveau du thorax, au niveau de la cage thoracique. Et ça permet de déverrouiller un petit peu l'articulation de l'épaule. Ça permet de réchauffer et de travailler également un petit peu les dorsaux. Voilà, allez, des trapèzes. Parfait, allez, étirez. Pensez à bien monter ce bras vers le haut. Étirez-le, serrez bien ce ventre. Allez, des petits mouvements de droite à gauche. C'est toujours notre marche. Allez, encore. À la droite, à gauche. Allez, chacune et chacun à son tour. On fait travailler un petit peu les épaules, un petit peu les bras. Si ça va trop vite, vous ralentissez. Voilà, chacune et chacun le fait à son rythme. Voilà, si vous avez besoin de souffler, si vous voulez accélérer, vous pouvez le faire également. Voilà, parfait. Voilà, allez, encore quelques petits mouvements. Ah ben, c'est très très bien. Parfait. Maintenant, on va essayer de chauffer un tout petit peu les cuisses et l'arrière des fessiers et l'arrière des cuisses. Alors on va rester sur place, on va taper un tout petit peu les pointes de pied à droite, à gauche, on garde les pieds écartés. Et là, on va essayer d'étirer un petit peu, tout doucement, les bras, en soulevant le bras au-dessus de la tête. Ici, je vais étirer, je vais m'étirer, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, on y met un tout petit peu plus de rythme. D'accord ? Allez, c'est parti, avec un peu plus de rythme, on essaie de s'étirer en tapant la pointe du pied dans le sol et je m'étire à droite, je m'étire à gauche et tout doucement, je serre ce ventre. Allez, et on s'étire. Et là, on étire le corps, on prépare tout son corps. Allez, là, allez, avec un petit peu de rythme. Voilà, et je m'étire. Voilà, allez, on s'étire. Un petit peu de rythme, voilà, encore, encore, parfait. Très, très bien, continuez. Voilà, maintenant vous avez étiré le corps, pensez à serrer le ventre et on va enchaîner en faisant maintenant tranquillement des talons-fesses. Et là on relâche et on enchaîne par des talons-fesses. Alors on soulève le talon, on l'amène vers la fesse en fonction de ses possibilités, en fonction des articulations. On ne force pas, on soulève un talon, on garde les pieds écartés. Voilà, soulevez simplement talons-fesses. Et là on va enchaîner. Pour renforcer un petit peu le dos en serrant le ventre, je vais vous demander de serrer les poings, de tirer les coudes en arrière. Et là, on soulève un talon après l'autre. Voilà, tranquillement, sans accélérer. Alors, si vous avez une musique rapide, vous le faites rapidement. Si la musique n'est pas trop rapide comme celle que j'entends, voilà. On garde ce rythme, on garde ce tempo, sans accélérer, on réveille le corps. On remuscle petit à petit. Allez, voilà, soulevez les talons, talons-fesses, préparez les fessiers. Préparez vos ischios. Allez, encore. Et on répète. Encore à droite et à gauche. Voilà. Tirez bien les coudes en arrière. Serrez bien le ventre. Allez, poings serrés. On tire ses coudes en arrière toujours. Allez, encore un tout petit effort. Voilà, super. Voilà, parfait. Allez, voilà. Et la majorité de nos muscles ont pratiquement travailler, donc on va enchaîner, toujours pour les cuisses, les fessiers. Et là, je vais vous demander simplement de croiser maintenant tranquillement et de venir toucher la main opposée derrière vous. Voilà, soulevez le talon en croisant derrière. Amenez le talon dans la main. Toujours avec un rythme très doux, sans forcer, faites ce que vous pouvez. Voilà, soufflez. Inspirez et soufflez. Voilà. Allez, on lève, on lève, on lève.
Allez, il faut lever ses talons. Parfait. Excellent. Voilà. Voilà, l'intérieur des cuisses commence à chauffer, les fessiers. C'est très très bien. Et on va terminer cette petite marche en soulevant légèrement les genoux ici et en touchant toujours les talons. Alors, talons dans la main opposée et on soulève un genou après l'autre. Allez, déverrouillez vos genoux. Voilà. Allez, on enchaîne. À droite, à gauche. Allez, pensez à serrer ce ventre. Évitez de pencher le buste en avant. Il faut chercher à lever les genoux tranquillement. Levez les genoux le plus haut possible. Allez, on soulève le genou. Si vous avez des doutes, difficultés, vous faites ce que vous pouvez. Vous touchez peut-être le mollet, peut-être votre genou. Voilà, simplement. Faites ce que vous pouvez. Voilà, parfait. Maintenant que on a déverrouillé un tout petit peu la main, l'ensemble de notre corps, on va reprendre tranquillement sur place pour souffler. Et on marche, et on reprend une petite marche pour souffler, pour expirer. Voilà, marchez tranquillement. Allez, marchez tranquillement, tout doucement. Voilà, sur place. Voilà, on va faire une petite marche pour récupérer. Voilà, soufflez bien. Allez, on reprend nos boucles. On inspire et on expire. Voilà, allez. Inspirez et expirez. Allez, inspirez. On lève les bras et à l'expiration, on relâche les bras. Montez les bras tranquillement à l'inspiration. Et à l'expiration, laissez descendre les bras. Allez, sans plier le buste en avant, on inspire, on garde le corps le plus droit possible et on expire. On maintient son buste, on maintient ses abdominaux, on maintient son dos surtout. Allez, inspirez et expirez. Allez, maintenez la colonne droite. Allez, soufflez, inspirez, expirez. Et là, on va prendre un petit temps pour souffler. Alors, pour récupérer un petit temps, on va faire des petits mouvements. Ici, les bras au-dessus de la tête, les pieds écartés. Je vais plier doucement, ici, le buste légèrement en avant, le dos bien droit. Ici, je descends, je plie mes jambes et je remonte. Alors, surtout, prenez le temps de bien relâcher les bras en croisant deux fois. Et on remonte. Attention aux cuisses. Allez, soufflez. Et on inspire. Alors, on doit expirer deux fois. Une fois, deux fois, et on remonte, on inspire. Là, je souffle en pliant mes jambes, et je remonte, j'inspire, je ressouffle, je souffle, je remonte, j'inspire, et je relâche. Soufflez, soufflez, inspirez. Allez, soufflez, soufflez, inspirez. Allez, encore deux fois, soufflez, soufflez, inspirez. Allez, et on souffle. On souffle et on inspire et on laisse redescendre tout doucement les bras. Et là, on va faire une toute petite pause si vous le permettez. On va s'hydrater un tout petit peu avant de faire enchaînement. Ça y est, maintenant que tout le monde s'est hydraté un tout petit peu, qu'on a récupéré, on va reprendre pour ne pas se refroidir et on va reprendre des petits step touch comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire des pas touchés de droite à gauche. Mais là, on va enchaîner avec des mouvements cette fois-ci au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc on va faire des ciseaux de bras, si vous le permettez. Ça va être de croiser sur chaque déplacement ici, de croiser devant vous et de déplacer les bras, mes paumes de main vers le plafond. Ici, on va renforcer un petit peu les pectoraux. Alors, tout en croisant ici, on se déplace à droite, à gauche et on fait des ciseaux devant. Voilà, des ciseaux de bras. On va préparer un petit peu nos pectoraux qu'on va utiliser sur le sol. Donc on prépare les muscles tout en douceur. Alors faites ce que vous pouvez. N'allez pas trop vite, si vous êtes essoufflé, si vous avez mal aux épaules, n'insistez pas, faites ce que vous pouvez. Voilà, et on croise. On croise. Voilà, vous sentez les épaules, vous sentez un petit peu les pectoraux, croisez bien les coudes l'un au-dessus de l'autre. Voilà, parfait, bien. Et maintenant, vous relâchez vos épaules et on va continuer les step touch, les pas touchés, à droite, à gauche. Et on va essayer d'enchaîner les petits mouvements que l'on a vus dans ma première séance, si vous l'avez fait. Alors, cette fois-ci, sur chaque déplacement, on va essayer de faire 1, 2, 3, et on va lever les bras, 4. Donc, je recommence, 1, 2, 3, et 4. Donc, on essaie d'enchaîner les mouvements. Voilà, 2, 3, 4. Donc, sur chaque déplacement, flexion, les coudes qui s'écartent, les bras qui s'écartent, et on lève. Voilà, on plie, on ouvre les bras, et on soulève. Voilà, on prépare le haut du corps. Voilà, 2, 3, et 4. Alors, sans accélérer. 2, 3 et 4. Donc, on plie, on ouvre les coudes, on ouvre les bras et on soulève. Allez, on en fait encore quelques-unes.
Allez. Voilà. Et on soulève. Allez, encore. 1, 2, 3 et 4. Allez. Ramenez bien les coudes. Écartez les coudes. Écartez les bras. Et soulevez. Alors, faites ça à votre rythme. Voilà. Si vous n'y parvenez pas, vous restez sur place, mais vous bougez les bras. Allez. 2, 3, 4. Allez, il faut coordonner les bras et les jambes. 3, 4. Allez, encore 2. Allez, on ouvre, on écarte, on soulève. Allez, le dernier, on plie. On ouvre les coudes, on ouvre les bras, et on soulève, et on relâche. On marche quelques instants pour récupérer, pour souffler. Voilà. Allez, marchez. Et là, on va préparer l'intérieur de vos cuisses, mais sans forcer, sans douleur. Là, je vais vous demander simplement de ramener le talon sur l'intérieur en croisant devant vous. Alors, ne forcez pas, amenez le talon à l'intérieur, rentrez bien ce ventre et croisez sans tomber. Voilà, on croise, allez, on pousse. On pousse sur le talon, on pousse le talon vers le sol, on rentre son nombril, on souffle et on respire. Allez, croisez, préparez l'intérieur de vos cuisses sans douleur. Voilà, on croise, tranquillement. Allez, on prépare l'intérieur des cuisses. Voilà, les adducteurs, on échauffe un petit peu nos adducteurs, tout en douceur. Alors, on va faire le même mouvement, si vous le voulez bien, cette fois-ci, sur l'arrière. Je croise, je vais pousser ma pointe du pied. Regardez bien, je pousse ma pointe de pied derrière et je viens croiser. Là, et je croise là. Alors, on prend son temps pour croiser, on décroise. On croise et on décroise. Voilà, je croise. Je décroise, voilà, et j'amène tranquillement. Et là, je prépare à la fois mes abdominaux, mes fessiers, mes cuisses, l'intérieur de mes cuisses. Allez, on croise, on fait pas mal, on fait ce qu'on peut, on croise tout en douceur, comme si on voulait faire une révérence. Allez, encore quelques petits mouvements pour bien préparer les fessiers. Allez, on prépare les cuisses, on prépare un petit peu ses genoux. On ne se fait surtout pas mal. Voilà, parfait, bien. Et vous relâchez. Et là, on va préparer un petit peu nos poignets tout en douceur. Alors, c'est un exercice qui est très facile à effectuer. Vous tendez les bras devant vous, vous écartez les doigts. Regardez, les doigts sont bien écartés. On va serrer les poings et on va les ouvrir tranquillement. On va serrer, on ouvre les doigts. On serre, on ouvre, on serre, on ouvre. Et là, nous allons préparer un petit peu nos avant-bras. Allez, on prépare un petit peu les muscles dans les avant-bras. Allez, ouvrez, fermez. Ouvrez les mains, fermez, ouvrez les doigts, refermez. Allez, on prend son temps. Surtout, on n'accélère pas. Voilà, on a le temps d'ouvrir, de refermer. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Voilà, super, parfait. Maintenant, je vais vous demander simplement de serrer les poings. Allez, on serre un petit peu les poings. On essaie de serrer le plus fort que nous pouvons. Allez, faites rentrer même les ongles dans les paumes de main si vous pouvez. Serrez, 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 serrez. Allez, serrez le plus fort que vous êtes capable de faire dans les paumes de main. Serrez, 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 serrez. Et attention, on va reprendre l'exercice cette fois-ci en accélérant. Alors, essayez d'ouvrir les doigts et refermez-les le plus vite possible. Allez, essayez d'ouvrir, d'écarter les doigts et refermez aussitôt, le plus vite possible. Faites ce que vous pouvez. Allez, allez, de plus en plus vite. Allez, de plus en plus vite. Je sais que ça fait mal. Allez, encore un tout petit effort, encore un tout petit effort. Allez, on ouvre, on tend les doigts, je sais que ça fait mal. Allez, et là, vous pouvez relâcher, secouer les épaules, secouer les mains, secouer les poignets. Voilà, on a préparé un petit peu les épaules, un petit peu les poignets. Et justement, on va préparer un petit peu ces poignets qu'on va utiliser sur le sol. Donc pour cela, ben, je vais vous demander de faire des petits mouvements. Regardez bien, les doigts sont croisés. Et on essaie de faire tourner les poignets, surtout rapprocher les coudes. Pour permettre le mouvement, nous rapprochons les coudes. Plus vous écartez, plus c'est difficile. Plus vous rapprochez les coudes, plus les mouvements sont souples au niveau des poignets. Au niveau des petits os qui sont dans le poignet, on essaie de tourner d'abord dans un sens, et ensuite on tourne en sens inverse. Allez, faites tourner ces petits poignets. Allez, les poignets tournent, il y a des petits os, il y en a 8 à l'intérieur de ce poignet, il faut les mobiliser. Parfait, maintenant que vous avez mobilisé un petit peu les os du poignet, on va retourner tout doucement les paumes de main sur l'avant, et on ramène les paumes de main vers le plafond. On retourne les paumes de main sur l'avant, devant nous, et ensuite on ramène paumes de main vers le plafond. Voilà, soufflez, et là, inspirez. Là, vous soufflez, rentrez bien le ventre, et ensuite, inspirez. Et on souffle, et là, on inspire. Maintenant, je pousse les paumes de main vers l'avant, et là, j'inspire. Là, je souffle, je récupère, et là, tranquillement, j'inspire. Voilà, un petit peu.
à chaque fois, vous faites ce que vous pouvez. Si vous avez mal, vous arrêtez. Voilà, on souffle, on inspire. On a bien préparé maintenant ses épaules, un petit peu les bras. Et là, on va préparer un tout petit peu ses genoux de façon à se mettre au sol. On va travailler ensuite à quatre pattes, à quadrupédie. Donc on vient serrer les pieds, on vient poser les mains sur les genoux. Et on fait tourner les deux genoux en même temps. Allez, collez bien les genoux, collez bien les pieds. Surtout, collez ces pieds l'un contre l'autre. Faites tourner environ 8 à 10 fois dans un sens. Voilà. Sans perdre votre équilibre, regardez un point loin devant vous. Et ensuite, changez de côté au bout de 10. Allez. Et vous faites des petites rotations. Voilà, pliez bien les genoux en avant, en arrière, sur les côtés. Allez, on le fait 8 à 10 fois en gardant le dos le plus droit possible. Allez, serrez bien ce ventre, faites tourner vos genoux, faites tourner les genoux 8 à 10 fois. Et là, on va relâcher. Et là, comme on va se mettre au sol, on va simplement venir tranquillement maintenant, tout doucement sur le sol pour préparer un petit peu vos poignets. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Quadrupédique. Et là, j'essaie de faire tourner, mais lentement. Tout doucement, mes mains dans tous les sens. Et on essaie simplement de préparer un petit peu ses poignets. Surtout, ne forcez pas. Allez, ne forcez surtout pas. Voilà, moi, je vais me mettre aussi de face. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu tous les mouvements en étant de face ou de profil. Voilà. Et les mains tournent dans tous les sens. Voilà, vers l'arrière, vers l'intérieur, sur les côtés. Voilà, et on prépare un petit peu les poignets, on prépare les mains. Alors, si ça tire un tout petit peu, ensuite je vais vous demander si vous pouvez d'essayer de poser le dessus de la main toujours en tendant les bras. Alors je sais que par moments c'est un tout petit peu douloureux. Alors faites ce que vous pouvez. Si vous ne parvenez pas à tendre les bras, ne forcez surtout pas. Tout le monde ne parvient pas à poser le dessus de la main, bras tendus. Faites ce que vous pouvez. Vous allez voir, c'est pour assouplir un petit peu ses poignets. On va venir en appui très légèrement pour certains. Voilà, maintenant que vous avez chauffé un petit peu ses poignets, on va, à partir de cette posture quadrupédique, on va essayer de poser un coude ici, de poser l'autre coude, de revenir sur une main, revenir. Donc regardez bien, je dépose un coude, je pose l'autre coude, je suis en position quadrupédique et je me redresse. Donc ça c'est un exercice qui est relativement facile à effectuer. Alors faites ce mouvement très doucement. Voilà, on pose un coude, on ramène. Et ensuite, on vient prendre appui sur les mains. Voilà, une fois sur les coudes, une fois sur les mains. Et pour ceux qui ont un peu plus de facilité, on peut faire le même exercice, mais en appui sur les pieds, sur les orteils. Je peux poser les coudes, poser l'autre coude, revenir sur un bras, revenir sur l'autre bras. Alors, vous essayez de faire l'exercice qui vous convient pour remonter. Donc surtout, prenez soin de serrer ce ventre pendant l'exercice. Alors, on continue. Je disais les coudes, les mains, pour ceux qui reprennent tout doucement, et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'entraîner, eh bien vous pouvez travailler une fois sur les coudes, sur les genoux, remonter. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, eh bien on continue sur les coudes, sur les mains, et on remonte et on redescend. Et voilà. Et on peut changer la vitesse. Voilà. Et c'est vous qui vous adaptez. Parfait. Maintenant que nous avons travaillé un petit peu les pectoraux, on va travailler maintenant un tout petit peu nos fessiers. Alors, on va rester en posture quadrupédique ici. On va simplement tendre une jambe ici et vous allez plier le talon ici, talon-fesse, et vous allez tendre la jambe. Donc, il suffit de plier le talon et de tendre la jambe. Alors, on essaie de garder les mains à plat sur le sol et je tends. Je plie, je tends, je plie, je tends. Alors, faites attention au genou. On essaie de garder le genou à la hauteur de la hanche. Et là, je plie, je tends, je plie, je tends. Je plie, je tends, et on essaie de faire environ 8 fois sur une jambe. Voilà, faites-le 8 fois tranquillement. Voilà, tendez, ramenez, tendez, ramenez. Ensuite, on change de côté, on change de jambe, surtout prenez votre temps. Allez, on plie et on tend 8 fois. Allez, je plie, talon-fesse, je tends ma jambe et je ramène. Talon-fesse, je tends. Allez, 3. Allez, talon-fesse, et on tend 4. Allez, talon-fesse, 5, on le fait 8 fois, allez, 6, on plie, et on tend, allez, 7, on plie, on laisse le genou, allez, et on tend, et un dernier, on plie, talon-fesse, et on tend, et on relâche, parfait. Maintenant, on va travailler les muscles fessiers également, mais cette fois-ci sur le dos,
Donc, on va venir tranquillement se mettre sur le dos et on va enchaîner pour faire travailler un petit peu nos fessiers. Donc, on va venir s'allonger sur le tapis, les mains à plat sur le sol, et il suffit de soulever tout doucement les fessiers. Là, je soulève, je rentre mon ventre. Alors, pensez à contracter les fessiers, le périnée, soulever et relâcher. On relâche et on détend les muscles fessiers. Alors avant de vous soulever, pensez à serrer le ventre, pensez à serrer vos abdominaux. Là, je contracte, je rentre mon nombril, je soulève doucement mon ventre. Et là, je contracte les fessiers. Je soulève le bassin le plus haut possible. On maintient quelques instants les muscles serrés. Et on redescend. Et on relâche. Allez, on essaie de le faire 8 fois tranquillement. Surtout, faites-le lentement. Allez, pensez d'abord à rentrer et serrer ce ventre. On serre ses abdominaux, n'oubliez pas, et je soulève tout doucement mes muscles fessiers. Et là, contractez bien ces muscles fessiers, serrez-les, contractez le périnée. Allez, on serre, on maintient, et là, on relâche. N'oubliez pas qu'il faut inspirer, qu'il faut expirer. Allez, encore une fois, allez, on soulève, serrez d'abord le ventre, rentrez bien le périnée, contractez les fessiers, soulevez ces muscles fessiers. Allez, on soulève le bassin le plus haut possible. Et on contracte les muscles fessiers. Sans douleur. Allez, serrez bien vos muscles fessiers. Serrez bien le ventre. Et expirez. Voilà. Allez, il nous en reste encore 3 ou 4 à faire. On les fait tranquillement. Allez, tranquillement, chacun à notre rythme. Allez, on serre d'abord le ventre. On ramène le bassin vers les côtes. On soulève ce bassin. Et là, je soulève mes muscles. Et là, je soulève le bassin, je contracte et je maintiens. Contractez les muscles. Allez, on tient. Et on relâche. Et là, on relâche tout doucement. Parfait, c'est super. Allez, encore un tout petit effort. Allez, on en fait encore 3. Allez, on essaie d'en faire encore 3, tranquillement. Allez, serrez d'abord le ventre, serrez bien ses abdominaux. Et ensuite, soulevez en contractant d'abord les fessiers, le périnée, on soulève. Et là, je lève ce bassin, je maintiens en haut. Et là, mes muscles fessiers sont contractés. Je contracte les ischios. Allez, maintenez. Allez, encore. On tient encore un tout petit peu. Et là, vous pouvez relâcher vos muscles fessiers tranquillement. Allez, on en fait encore 2. Allez, on récupère un tout petit peu. Allez, prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Allez, on serre d'abord le ventre. N'oubliez pas qu'il faut rapprocher le bassin, qu'il faut rapprocher les côtes. Et ensuite, je soulève ce bassin. Allez, on serre et on contracte les muscles fessiers. Et allez, on serre ses muscles fessiers, le périnée est contracté. On maintient les bassins le plus haut possible. Regardez, sous les fesses, je peux passer les deux bras, les deux mains. Et ensuite, je relâche et on redescend tout doucement. Allez, il n'en reste plus qu'un. Et nos muscles fessiers auront bien travaillé pour aujourd'hui. Et on va le faire une dernière fois. Allez, si vous voulez bien, on y va. On serre d'abord le ventre en premier. Et ensuite, on peut soulever une fois qu'on a contracté le bassin. Là, je soulève mon bassin le plus haut possible. Je serre les muscles fessiers. On peut appuyer sur ses épaules, pas sur les bras. Et on tient quelques instants pour renforcer. C'est du renforcement musculaire au niveau des muscles fessiers, au niveau des ischios. Et on maintient quelques instants. Et ensuite, on peut relâcher tout doucement. Et voilà, c'est super. Et c'est très bien. Parfait. Ah ben, c'est parfait. Et ben, maintenant, on va enchaîner tout simplement pour faire travailler un petit peu nos abdominaux pour terminer un petit peu cette séance. Alors, on va commencer par un exercice qui est très simple. Je vais vous demander tout simplement de venir toucher, avec la main opposée, vous allez toucher l'extérieur ici du genou, sur le côté, en soulevant simplement une épaule. Et on va revenir au sol. Là, je vais soulever doucement mon épaule, ici, je viens toucher l'extérieur avec ma main opposée. Et ensuite, je reviens, et ensuite, on alterne, une fois à droite, une fois à gauche. Regardez bien, je souffle, je soulève simplement mon épaule, et je relâche, je reviens poser ma main au sol. Et ensuite, on alterne, main droite, main gauche, sur le genou opposé. Et on prend son temps. Voilà, on inspire et j'expire. Je rentre le ventre. Et je reviens, je pose. Et on prend son temps. Une fois à droite, je souffle, je rentre le ventre et je reviens, j'inspire. On a tout notre temps. Prenez le temps de souffler, soulever l'épaule simplement, tourner légèrement et redescendez tranquillement pour ne pas fragiliser le dos. Là, je décolle mon épaule, je souffle et je rentre le ventre pour aller chercher l'extérieur. Et je reviens tout doucement. Allez, on fait attention à son dos, on souffle, je tourne mon épaule, j'amène la main sur l'extérieur, je viens toucher le mollet sur le côté, et on revient et on inspire. Et on fait ça une dizaine de fois de chaque côté à son rythme. Voilà, je souffle et je reviens, j'inspire.
et on essaie de faire tranquillement une dizaine de fois de chaque côté, chacune et chacun à son rythme. Voilà, on pense à revenir tout doucement. Et ensuite, on tourne simplement son épaule pour amener la main contre le mollet sur l'extérieur. Et on revient, voilà. Allez, on essaie une dizaine de fois, mais chacune et chacun à son rythme, on vient toucher sur le côté, on vient renforcer ses abdominaux tranquillement. Allez, tranquillement, ici je tourne, je souffle, et je reviens, j'inspire. Et à chaque expiration, le ventre se contracte, et il me permet de faire travailler mes abdominaux. Et on fait ça tranquillement, voilà. Et là, vous renforcez les obliques, vous renforcez le grand droit, les transverses. Allez, prenez le temps. Et là, on tourne, on souffle, et on redescend, on inspire. Voilà, c'est super. Allez, soufflez, et inspirez. Voilà, et quand vous l'avez fait une dizaine de fois, ben c'est parfait. Voilà, une dizaine de fois de chaque côté surtout. On inspire et on souffle. Voilà. Donc ce sont des abdominaux qui s'effectuent sans douleur. Et pour bien protéger les lombaires, pour effacer un petit peu le creux, on va simplement maintenant lever un genou. Et là, vous allez venir bloquer votre nuque en posant les mains au niveau des oreilles. Ici, regardez bien, je viens toucher l'intérieur de mon genou en décollant un pied. Donc ici, je souffle, je décolle le pied et j'emmène le genou contre mon coude ici, mais sans me soulever complètement. Je tiens ma nuque, je souffle et j'inspire. Allez, on prend son temps et on souffle, on décolle le pied. On amène le genou contre le coude opposé et on fait ça une dizaine de fois sur chaque jambe. Alors on a le temps, inspirez et soufflez. Inspirez en redescendant, soufflez, rentrez le nombril. Inspire en descendant, soufflez en montant. Allez, on fait encore ça environ 5 fois. Sur chaque jambe, inspirez. Alors vous pouvez changer le rythme, vous pouvez accélérer, mais surtout serrer, souffler ce ventre. Voilà. Allez, on prend son temps, on peut accélérer si on le souhaite, on peut faire cet exercice un tout petit peu plus rapidement, c'est vous qui voyez, en fonction de votre état de santé. Voilà, on peut aller un tout petit peu plus vite, on peut modifier l'exercice et surtout vous relâcher et on va souffler un tout petit peu. Maintenant que vous avez travaillé un petit peu les obliques, on va essayer de faire travailler un tout petit peu maintenant le grand droit. Mais alors, en faisant des petites flexions ici, je me soulève, je redescends sans chercher à m'asseoir. On fait des petites flexions ici, je soulève mes épaules et je redescends. Donc ne tirez pas sur la nuque, hein. Soufflez, soulevez les épaules, redescendez. Voilà, soulevez simplement les épaules. Et revenez. On soulève légèrement ses épaules. Et on redescend. Allez, soulevez légèrement les épaules. Et inspirez. Voilà, soufflez. Redescendez. On ne force surtout pas, on ne tire pas sur le dos. On souffle et on respire. Voilà, on souffle et on respire. Allez, soufflez en montant. Inspirez en descendant. Soufflez en montant. Inspirez. Ne tirez pas sur la tête, ne tirez pas sur la nuque. Soulevez simplement les épaules où vous pouvez et redescendez à la vitesse où vous le voulez. Allez, soufflez. Inspirez. Allez, une dernière fois, soufflez. Inspirez. Et maintenant, on va travailler un petit peu le bas de nos abdominaux. Alors, on va prendre le temps de s'installer sur ce tapis. Et on va placer les mains sous les fesses. Regardez, j'ai les mains à plat, sous mon bassin, sous mon coccyx. Et là, pour éviter de travailler mes lombaires, je vais vous demander simplement de pédaler tout doucement. Alors, faites ce que vous pouvez, ne forcez pas. Et on fait du pédalage, tout simplement, comme s'il y avait, on faisait du vélo. Voilà, allez, on fait des petits mouvements de pédalage avec les mains sous le coccyx. Et en basculant ce bassin vers le haut, on protège un petit peu ses lombaires, on protège son dos. Alors faites ce mouvement tranquillement, sans forcer. Ne descendez pas les talons vers le sol, gardez les jambes environ à 45 degrés et maintenez ces jambes à 45 degrés pour éviter de travailler vos lombaires. Et on renforce un tout petit peu le bas de nos abdominaux. Alors prenez le temps d'enrouler, dérouler. Faites bien bouger vos jambes et ensuite on inverse le mouvement toujours en gardant les jambes à 45 degrés maximum. Voilà, on ne descend pas les jambes, on ne descend pas les talons. Allez, faites du pédalage.
Allez, renforcer le bas des abdominaux. Voilà, on a fait les obliques, on a fait un petit peu le transverse, on a fait un petit peu le grand droit. Donc là, on essaie de travailler doucement ces abdominaux, les abdominaux inférieurs, supérieurs. Voilà, et lorsque vous avez fait des petits mouvements, vous pouvez relâcher tout doucement ici, vous laissez faire. Et on va terminer par faire travailler l'ensemble de notre ceinture abdominale. Alors pour travailler l'ensemble de la ceinture abdominale, on reste allongé avant de terminer cette séance. Et là, vous allez mettre les mains toujours pour soutenir votre tête et votre nuque. Et là, on va essayer tout simplement de lever les deux jambes ici. Et là, on va venir toucher les genoux avec les coudes sans lever le buste. Je ne fais que basculer mes épaules de droite à gauche. Et vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Et là, on essaie de faire travailler l'ensemble de nos abdominaux. Tout simplement, je bascule les épaules à droite, à gauche, mes genoux levés. Et je viens toucher les genoux avec mes coudes tranquillement. Alors pensez à souffler, pensez à respirer pour effectuer ce petit mouvement. Si vous avez des difficultés, ramenez les genoux le plus près de votre tête. Voilà. Et on souffle. Et on souffle. Voilà. On n'oublie pas de serrer ce ventre. On empêche le dos de travailler. Et plus vous renforcez les abdominaux, moins vous aurez mal au dos. Allez, encore quelques petits mouvements. On renforce bien ces abdominaux, à droite, à gauche. Parfait. C'est très très bien. Et là, surtout, vous relâchez tout doucement. Et on va faire une petite pause. On va étirer un petit peu tout le corps. On va s'asseoir pour cela. Et on va étirer un petit peu les abdominaux qu'on vient de travailler. Donc, on vient s'asseoir et on va prendre une position, toujours assis sur le tapis. On va essayer de détendre un tout petit peu ses abdominaux en étirant un petit peu les bras. Ici, je vais vous demander de poser les pieds à plat sur le sol, de poser les mains derrière vous, de ramener tout doucement les fesses vers les talons sans déplacer les mains. Et là, pour étirer les abdominaux, on penche la tête en arrière, on sort la poitrine et on essaie également de sortir le ventre. Et là, on inspire. On expire quelques instants pour étirer les épaules. On étire son thorax, on étire ses bras, ses abdominaux. On étire un petit peu tout le corps. Et on va relâcher et on va souffler. Ah ben, c'est très, très bien. Ben, pour aujourd'hui, c'est presque terminé. On va quand même prendre le temps d'étirer un petit peu ses épaules que l'on a travaillé un tout petit peu. On a travaillé un petit peu les abdominaux. Alors, pour étirer un petit peu les bras, regardez, je viens prendre mon coude ici avec ma main dessous. Et je viens appuyer mon avant de mon bras contre ma poitrine, mais sans forcer. Le bras vient sur le côté, j'appuie, j'étire un tout petit peu mes épaules, je relâche un petit peu mes pectoraux. Et là, on étire quelques instants. On souffle, on récupère. Allez, récupérez, étirez un petit peu les bras. Le bras droit, si vous êtes face à moi. Et ensuite, on va changer de côté. Il n'y a pas de gros efforts, je reste bien face à vous, et avec l'autre main, je viens attraper mon bras ici sur le côté, au niveau du coude, et je ramène mon bras contre ma poitrine sans partir en arrière. Je tire pour étirer à la fois mon épaule, pour étirer les trapèzes. On relâche un petit peu ses épaules. Allez, on respire calmement. Inspirez et expirez. C'est super, c'est très très bien. Maintenant, on va étirer un tout petit peu tout le corps. On va retourner les paumes de main ici, devant. On va soulever doucement ces paumes de main vers le plafond. On essaie de se grandir. Et là, on s'étire, on étire, on étire tout le haut du corps. Et là, on étire. Et ensuite, on va relâcher les doigts. Et là, je vais souffler, je vais écarter. Et là, vous allez partir tout doucement sur l'avant ici et faire des grandes boucles. On va inspirer, faire une boucle sur les côtés et lancer les bras le long des jambes ici. Et je remonte. J'inspire et ensuite je souffle, je penche le buste en avant, les mains le long des pieds et je remonte. Et vous faites ce que vous pouvez. Allez, inspirez, soufflez. Inspirez lentement. Et expirez en faisant des grandes boucles. Soufflez, ramenez les bras loin devant vous. Vous pouvez remonter tranquillement, inspirez. Expirez et soufflez. Tout doucement, ramenez les bras le long des jambes. Et allez, on le fait encore une fois, on inspire,
Et on va expirer et on va souffler le plus loin possible. Eh ben, c'est parfait. Et là, on va terminer cette séance en faisant quelques étirements au niveau des bras, au niveau des jambes. Et alors, on va commencer par étirer doucement les bras. Alors, on prend le temps de se positionner. On va d'abord se mettre à genoux avec les fesses, ici sur les talons. Et là, tout doucement, je vais vous demander d'étirer vos bras. Alors, on ne fait pas la prière, mais on va essayer de pousser les mains loin devant vous. Voilà. Et essayer d'étirer vos épaules. Étirer le dos, essayer de replacer ce dos en gardant les fesses, si possible, sur les talons. Et là, je m'étire. J'essaie d'allonger mes bras. Et ensuite, on essaie d'allonger également la tête, tout doucement. On inspire et on expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Étirez-vous un peu plus à l'expiration. Voilà, vous étirez vos épaules, on étire un petit peu les bras, et on va revenir tout doucement. Et on va ramener un bras après l'autre, et là je vais dérouler tout doucement mon dos, ma colonne vertébrale. Et maintenant, on va terminer par des étirements, assis sur le sol, pour étirer tout le corps, et ensuite on étire un petit peu les cuisses. Alors, assis, les pieds écartés. On vient poser la main soit sur le genou, soit sur la cuisse, l'autre bras au-dessus de la tête, je descends sur le côté, avec la main opposée qui vient chercher doucement le pied. Alors si vous ne touchez pas le pied, ce n'est pas grave, vous pouvez toucher peut-être le tibia ou le genou. Essayez de vous allonger du mieux que vous pouvez, avec la main opposée sur la cuisse ou sur le genou, en fonction de vos possibilités. Alors ne forcez pas, si vous avez mal, ne forcez surtout pas, respirez, expirez, étirez tout doucement les bras, les jambes, le thorax. Si vous arrivez à attraper les pointes de pied, c'est super. On relâche un petit peu les cuisses, on relâche le thorax, les épaules, les bras. 20 à 30 secondes d'étirement suffisent pour soulager un petit peu les muscles, les articulations. Et on relâche tout doucement. On va faire le même exercice, cette fois-ci à l'opposé. La main sur le genou opposé ou sur la cuisse. Le bras au-dessus de la tête, je descends tout doucement mon buste sur le côté. On essaie d'attraper soit la pointe du pied, soit le tibia, soit le genou, en fonction des possibilités de chacune et de chacun. Et là, si vous arrivez à attraper la pointe de votre pied, c'est super. Et on maintient 20-30 secondes ce petit étirement. Alors, inspirez. Expirez calmement. Prenez le temps d'expirer. Laissez vos muscles des cuisses s'étirer à l'intérieur, à l'extérieur, dessus, dessous. Ne forcez pas. Respirez calmement. Inspirez. Expirez. Et c'est très très bien. Et maintenant, on va étirer un petit peu ces muscles fessiers. Alors, on les a travaillés en fin de séance. Et pour terminer, on va revenir là, en posture dorsale. Tout doucement, on bascule sur le dos, tranquillement. Vous allez croiser doucement vos jambes. Et regardez bien, je prends le genou le plus éloigné. Et avec les genoux croisés, la tête au sol, je ramène doucement les deux genoux contre la poitrine. Et là, on soulage les muscles fessiers. Sans forcer. On inspire. Et on expire. Ramenez bien les genoux, les deux genoux contre la poitrine et permettez justement aux muscles fessiers de s'étirer en douceur. Faites ce que vous pouvez sans vous faire mal. Voilà. On peut relâcher tranquillement. Et on va essayer de croiser maintenant l'autre genou par-dessus. On prend le genou toujours le plus éloigné et en tirant sur les deux genoux, en ramenant les genoux contre la poitrine, on sent les muscles fessiers qui s'étirent et qui se relâchent. Inspirez. Expirez. Prenez le temps d'inspirer. Prenez le temps d'expirer. C'est un temps de détente. C'est un temps de relaxation. Et là, on relâche bien les muscles fessiers. Parfait. Et là, on peut maintenant relâcher doucement les jambes. Alors pour cela, maintenant, on va essayer d'allonger simplement une seule jambe. Là, je maintiens une jambe entre mes mains, le genou contre la poitrine, et j'étire une jambe sur le sol. Je la laisse se détendre. Je tire sur le genou de façon
à tirer légèrement sur les fessiers pour replacer doucement mes lombaires. On essaie de plaquer le dos contre le tapis. Et là, on relâche tous les muscles du dos. Inspirez et expirez tranquillement. La jambe qui est au sol est complètement relâchée. Plus vous tirez sur le genou, plus le dos vient se plaquer sur le sol et on relâche les tensions au niveau des lombaires. On soulage tranquillement son dos. Et on va inverser le mouvement. Maintenant, on va soulever la jambe qui est allongée. On attrape le genou. On prend le genou entre les mains. L'autre jambe s'allonge tout doucement. Et surtout, vous laissez la jambe se détendre sur le sol. Et ensuite, on tire le genou vers la poitrine. On plaque les lombaires et on plaque les vertèbres sur le tapis. Et là, on prend un temps pour déposer son dos sur le sol. Allez, on inspire et on expire pour soulager tout le corps. Inspirez, expirez. Parfait. Et maintenant que vous avez détendu les fessiers, que vous avez détendu un petit peu le corps, on va prendre un temps pour faire de la relaxation. Et pour cela, je vais vous demander de vous allonger tranquillement sur le sol. Les bras allongés. Le long du corps, les pieds relâchés. Et là, tranquillement, nous fermons les yeux. Et avec les yeux fermés, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. Alors, une respiration libre, douce et calme. Et chacune et chacun, vous respirez à votre rythme. Et au moment d'inspirer l'air, vous pouvez faire gonfler doucement votre paroi abdominale. En inspirant, le ventre peut gonfler, monter vers le plafond. Et à l'expiration, le ventre redescend. Il revient doucement à sa position initiale. Et chacune et chacun, vous relâchez, inspirez. Gonflez le ventre si vous le pouvez, gonflez la poitrine et à l'expiration, laissez-vous aller doucement à la tranquillité, à la détente. Et petit à petit, avec les yeux fermés, vous relâchez tous les muscles au niveau du visage. Relâchez tous les muscles au niveau du cou, au niveau de la nuque. Desserrez les dents, desserrez la mâchoire inférieure. Laissez votre langue se poser tranquillement dans la bouche. Continuez votre chemin vers la détente, relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains. Laissez votre dos se coller doucement sur le sol. Relâchez vos omoplates. Et toute la colonne vertébrale se relâche de haut en bas. Respiration libre, douce, calme et naturelle. Vous pouvez détendre maintenant votre bassin, vos cuisses. Relâchez tranquillement vos jambes, le dessus, le dessous des cuisses, vos tibias, vos mollets, vos chevilles. Prenez le temps de récupérer tout doucement pour terminer cette séance. Prenez quelques instants rien que pour vous. À chaque expiration, chassez les tensions physiques ou mentales et profitez de votre respiration douce et calme. Pour récupérer. Inspirez, expirez calmement. Et maintenant, pour terminer cette séance aujourd'hui, vous allez pouvoir revenir tout doucement en bougeant doucement les orteils, bouger doucement les doigts de vos mains. Et petit à petit, vous allez prendre le temps de vous étirer, comme si vous étiez en train de vous réveiller le matin, étirer agréablement tout votre corps sans douleur. Étirez les bras, étirez les jambes. Et quand vous vous sentez prêt et prête, doucement, n'oubliez pas qu'il faut replier doucement vos jambes. Repliez vos jambes, tournez lentement le corps sur un côté ou de l'autre et utilisez doucement vos bras pour vous redresser, pour revenir en posture assise et pour récupérer. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Et puis merci pour votre attention, en espérant vous retrouver pour d'autres exercices.